Bon, samedi, on est samedi le 30 septembre, mais ça... j'étais encore grippée. C'est ça. J'ai réussi à dormir cette nuit, par exemple, sans médicaments. De toute façon, j'avais pas le choix, j'en avais plus. Fait que, mais là, j'avais une télécopieur à envoyer. Puis là, Pam me l'a ramené à la pharmacie pour demander si je pouvais pas sortir le télécopier. Fait que normalement, ma prescription va pas se refaire sans que j'aie besoin de retourner voir le médecin au moins. Puis le plancher, il est vraiment beau encore à matin. Il est moins luisant. C'est sûr parce qu'il a séché, mais il est beau, là. Je vais vous montrer ça. Regardez le plancher, comment il est beau. Pas d'allure, hein? Je suis tellement contente. Rien que voir ça, mon chum, ce qu'il disait, ça me repippe, là. Tu sais, il me semble que ça fait moins. C'est le fun, ça. Ça fait du bien au moral, rien que voir que le plancher est beau, tu sais. On fait moins brimballe. Lucas, là, il est à peu près 9h15. Lucas est déjà parti jouer dehors avec ses amis, il fait du vélo. Cassia remonte en haut, se recoucher. Mon chum dort encore. Pamela prend son bain. Puis, Sam va travailler, elle faisait l'open. Puis, Nick travaille aussi. Il travaille aussi. Fait que c'est ça. Comme aujourd'hui, on n'a rien de prévu, on va essayer de prendre ce relax, essayer de récupérer ce que même Lucas recommence à tousser et puis tout ça. Mais je voudrais aller chez Sears, aller voir parce que ça ferme demain. Ça, j'aimerais ça aller faire un tour chez Sears. Pour souper, on est supposé faire du bon filet mignon avec de la salade grecque, fait que ça va être bon. Mais ça, j'allais dire. Hier, mais ça, je vous ai pas reparlé beaucoup, hein. Ça, ce que je voulais vraiment pas, là. Hier, j'ai essayé de me coucher de bonne heure. Mais je sais plus ce que. Ça, j'avais de quoi vous dire, mais je sais plus. En tout cas. C'est ça, je vous avais pas reparlé des armoires qu'on est allé voir. Là, j'ai plein d'échantillons. Il va falloir que je regarde ça puis je décide. Mais finalement, la soumission pour le comptoir de la laveuse sécheuse, la salle de lavage, dans le fond, ça coûterait 2000 pièces la soumission. Fait que, tu sais, ça monte pareil, hein. C'est ça que là, ils nous payent la vanité. Fait que je suis contente au moins de les encourager pour ça. Parce que la vanité, ça, ils nous la payent pour la salle de bain et tout, là. Puis là, on n'a pas encore eu ça en 3D non plus. Fait que j'ai hâte de voir que ça va faire. Hein? Ça va donner en 3D. Mais là, je sais qu'il va falloir que je choisisse mes affaires des petits comptoirs comme excusez. Fait que là, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais essayer d'aller prendre du café. Ça va me faire du bien sûrement. Puis c'est sur l'organe privé en fin de semaine. On prend ça relax. On se rend compte qu'il faut arrêter un peu et essayer de penser à nous et se reposer. Parce que. Mais là, demande à l'entrevue, comme vous savez aussi. Fait que. Puis il y a la parade de mode et tout qui se prépare, là, que la Fondation Veilleux fait pour nous autres, sa dernière activité, pour ramasser des sous pour qu'on puisse changer d'auto. Puis, parce que notre auto, vous le savez, elle est pas adaptable. On l'a fait évaluer, mais elle n'est même pas adaptable pour Katia. Fait qu'il faut la changer de toute manière, puis on n'a pas les sous pour ça. On n'a pas les finances pour même pas changer d'auto. Puis nous autres, ben, elle était payée. On n'avait plus de paiement dessus. Fait que c'est la Fondation va nous venir en aide pour pouvoir changer d'auto pour après pouvoir l'adapter avec un siège électrique qui descend et qui pivote. C'est ça qui va être plus facile pour nous parce qu'il y a des jours comme de ce temps-là, elle nous épate parce qu'elle rentre toute seule dans la mer. Mais là, c'est nouveau. Puis ça ne veut pas dire que ça va rester dans le temps, là. Tu sais, même des journées dans le taxi, la vanne, elle ne réussit pas à embarquer là, à l'école. Elle s'écrase, elle est molle. Fait que, faut se donner des chances pour quand que ça arrive d'être capable de ne pas la laisser à terre, là, dans le fond, là. Fait que c'est ça. J'ai assez parlé. Je vais vous jaser tantôt. Bye bye. Bonne journée. Allô? Là, on est dans l'auto. On est venu prendre une ride jusqu'au Kanak. Regarde Cassa comme elle est souple. Hein? Pas d'allure comme elle est souple. Elle, ses positions, là, tout le temps, là. Ses positions pour elle qui est bien, là. Ça ne demande pas d'effort, c'est. Un catou. Il est drôle. Ouais. Toi, Katia, ça va, bébé? Hein? Fait que c'est ça. Fait que notre journée est tranquille, on fait pas grand-chose, on essaie de se reposer. Fait que là, si on est venu prendre un d'auto parce qu'on aime ça, ça nous change les idées. Puis mon chum voulait venir chercher en même temps quelque chose, je pense du fil, je sais pas trop. Hey, Lucas. Hello. Lucas, tu comptes-tu? Tu montes-tu? T'es capable de compter jusqu'à 14? Non. Non? Il aurait été content de voir comment il est bon. Ah, Lucas, non. Tu vas retourner à l'arrière, hein, je t'avertis. Ouais.
Puis tu veux pas monter comme être les bandes. C'est ça. Ouais, c'est ça, les cailles, c'est compté jusqu'à 14. Je suis fière de mon petit homme. Hein, Lily? Puis elle est allée, elle s'est réchauffée de tout ça. Nice le volume. Merci. J'ai oublié de vous compter hier aussi qu'il est allé. Il est allé à l'aréna avec Sabrina et Pamela. Il est allé voir John jouer au hockey. Parce que John commence à jouer au hockey. Puis après ça, Charles-Antoine. Je pense, as-tu vu Charles-Antoine, Lulu, finalement? Non? Ah, il n'a pas vu Charles-Antoine. Puis c'est ça. Demain, les parents à mon chum, ça, sont supposés de monter. Puis là, ben. Peut-être bien là, qu'ils vont essayer de tasser le spa là, justement demain après-midi. Ça va être une autre affaire qui va être faite. On a des raisins. Ah, en plus, c'est loin d'être fini. C'est ça, une partie. Des beaux raisins, c'est pas qu'on aime pas ça. Le Catou est dans sa cabane. Catou! Catou! Coucou! Katia! Je suis rentrée, je t'ai préparé le souper pour mariner les filets mignons. Puis, je fais la salade grecque. C'est la salade qu'on a achetée au Costco. Ça a l'air bon. Non, il est dans la cage, je pense. Fait que c'est ça, je vais donner ça à Katia, je suis qu'elle va aimer ça. Là, c'est l'heure du bain pour Lulu. Hey, je sais pas, je vous avais dit, je me rappelle plus, j'ai dit que j'étais contente parce que Lulu comptait jusqu'à 14. Mais ça, je vous l'ai dit, hein. Mais là, il dit qu'il veut le faire, il veut vous le montrer. Là, il est dans le bain, là, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Yeah! Bravo! Bon, hein, mon Lily? Puis même, il s'est compté en anglais jusqu'à 7. Tu veux-tu le dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Yeah! T'es fière de mon Lily! Fait que les bébés, ils ont soupé, mais pas nous autres. Parce que là, on va manger du filet mignon pour vous l'attendre tout le monde. Lily qui nous fait 6 heures. Fait que c'est ça. Fait que ça pourrait être bon, par exemple, le souper. Coucou. Là, c'est ça, les cailles sorties du bain. Puis lui, ils vont Hello! Faire. Ça va être son cinéma maison pour ce soir. Là, notre salon est rendu ici, à cette heure. On a mis notre télé en bas. On l'a monté ici. Qu'est-ce que tu t'es parti, Lulu? Les ch'trons. Les ch'trons? Ah! Ah, c'est les ch'trons qui commencent. Là, regarde, il y a des chips. Il y a des chips. Il y a des jujubes aux pêches. Puis des petits, un petit chocolat Réo. Puis il y a son lait. Puis
c'est les chambres qui commencent. Je suis rassurée. Cette histoire commence. Un est mon arrêt resté hors. Puis t'en as eu plein d'autres avant. T'as-tu faim? Comment ça? Je bouffe depuis tantôt. Moi, j'ai faim. Annick a dit que vous l'allez veiller, ça te tente-tu? À soir? Ouais, je voulais savoir à quelle heure tu rentrais. Tu travaillais demain. 2h30. C'est ça, vous pourriez mettre ça tantôt. Mais... Il demandait à quelle heure Pam travaille. J'ai dit, mais 2h30, pourquoi tu demandes ça? Il dit, parce que j'aimerais ça l'éveiller. Ouais. Katia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, mon bébé? Hein? T'es souple. Gâteau, donne la main à maman. Oh, t'es fine. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allô? Eh oui!